dire problème que le problème of Congo, le problème du Congo, the problem of le problème the region, de la région, le problème de la région, even the problem of Rwanda, et, ou même le problème encore du Rwanda, is not M23. N'est pas le M23, je suis désolé. M23 est un produit of many other problems et de la résultante de plusieurs autres problèmes qui n'ont pas été résolus depuis des décennies maintenant. If you remember, si vous vous rappelez the bien, problem of, le problème M23 du M23 was there even before the, existait même bien avant que Tshisekedi became president. Avant même que M. Tshisekedi devienne président. C'était un problème en 2012. Alors, and having to do with M23 and people related to M23. En ce qui concerne M23 et toutes les personnes liées au M23, les Congolese, les Congolais, but who have Rwandese heritage, qui ont bénéficié donc de l'héritage rwandais, the borders that were drawn during colonial times, les frontières qui ont été bâties cut durant la période coloniale, ont a big part of Rwanda was left outside. On va dire divisé nos peuples. Il y a une partie donc du Rwanda qui a été donnée à l'est du Congo, le sud à l'Ouganda, etc. etc. Nous avons une coopération qui existe déjà dans ces zones et qui ont a Rwandese background. Et qui, c'est-à-dire qu'il y a déjà des liens qui existent entre nos deux peuples. Il y a déjà beaucoup those parts of Rwanda. Je pense qu'aujourd'hui la situation in the est colonial times. Déjà durant la période so coloniale. C'est clair et évident que vous pouvez vous regarder même au niveau remonté dans l'histoire, vous allez vous en rendre compte. Those problems are much older than me and much older than Tshisekedi. Vont au-delà de ma personne, vont au-delà de la personne du président Tshisekedi. Were there at the time are no longer alive. Je pense même que toutes ces personnes-là qui étaient vivantes à cette période-là ne sont plus de ce monde. Donc je pense que aujourd'hui, ces peuples ont renié donc leur lien avec le Congo. Quand je me rappelle donc la situation en 2012 où il y a eu des attaques, où il y a eu cette attaque armée, c'est là le début de l'histoire. Donc nous n'avons pas bien géré la question et aujourd'hui nous sommes en 2023, 11 ans après. Le problème existe toujours. Hein. Cela veut dire simplement qu'il n'a pas été résolu comme cela se doit. Tous les pays africains ont été impliqués dans la résolution donc, de cette crise. Mais personne n'a pu réussir, quoi que ce soit en ce qui la concerne. Alors, mentionner le problème, la difficulté du M23 dans cette région, je pense que la question ici, c'est ne pas de fuir la question, mais c'est pouvoir essayer de trouver des solutions à cette crise. Mais pendant que nous sommes en train de voir cette discussion, toute la région africaine, tous les pays de la zone africaine, y compris l'Angola, we have two processes. Nous avons deux processus de procédé. On avait un processus de Nairobi basé à Kenya et un autre processus déjà implémenté à Luanda et qui ont fait tout. Ils ont mis tout en œuvre pour pouvoir résoudre cette question. Je pense que people getting a solution. Ils sont en train d'essayer de trouver une solution et le processus de Luanda ou le processus de Nairobi, les démarches qui ont été entreprises à Luanda et à Nairobi ont essayé donc de pouvoir trouver des solutions à la difficulté, mais apparemment les pays même concernés ne veulent pas apparemment que la question soit résolue. C'est quand même assez ironique. Mais ce que je veux dire ici, c'est que c'est un fait. Vous pouvez le vérifier. Donc aujourd'hui,
just keep complaining about nous ne pouvons the problem pas continuer à nous plaindre éternellement du problème, alors que nous connaissons effectivement là où il y a le nœud. Mais c'est un peu comme si on ne souhaite nous-mêmes pas résoudre cette question, et on tourne autour du pot, malheureusement. J'espère qu'avec l'implication de tous les pays de la sous-région, cette question sera finalement résolue de manière définitive. C'est ce que j'espère, du moins. Quelle était votre deuxième question déjà ? Oh, Russia. La Russie. Ah. I think that's why I was forgetting it. Je pense que c'est pour cela même que j'avais oublié de répondre. C'est encore un autre problème qu'on ne devrait même pas avoir en réalité. La Russie, qui est une superpuissance, ne devrait même pas nous concerner. Cette question, en fait, ne nous concerne peut-être pas, mais ces superpuissances doivent gérer leurs problèmes entre elles. Ils continuent à nous exploiter, ils continuent à profiter des pays, des petits pays que nous représentons. Alors, la Russie a le droit d'être partout où elle veut, j'ai envie de dire. D'un point de vue légal, comme un pays, elle a le droit d'être partout à travers le monde. Donc, elle vient en Afrique. Les gens se plaignent aussi de la présence de la Chine. Donc, on se plaint de la présence de la Chine, on se plaint de la présence de la Russie. Ben, ils ont le droit, ces pays-là ont le droit. Donc, ils ont le droit, comme les autres pays, d'être présents. Alors, je pense que ce que nous devons faire en Afrique, c'est de plutôt travailler. Nous devons concentrer sur nous-mêmes, savoir nos besoins, identifier nos besoins en termes de partenariat, établir donc cette relation de bénéfices réciproques avec cette superpuissance-là. C'est nous qui devons définir nos besoins et voir s'ils sont en mesure de nous de satisfaire ces besoins-là. Alors, how it is being conducted. Nous avons, je pense que le plus important, c'est de savoir comment est-ce que tout cela va finir. La question de la Russie, la question de la